les 12e rencontres Romagrébine des écrivains, qui se tiennent cette année exceptionnellement en ligne, à l'initiative de la délégation de l'Union européenne en Algérie. Cet espace d'échange, de découverte et de promotion de la littérature que sont les rencontres Romagrébine permettront cette année encore de découvrir des auteurs d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous avons le plaisir, pour commencer, d'accueillir des poétesses. Donc, Claudia Gossi, poétesse et traductrice maltaise, enseignante de langue et de littérature maltaise, publié son premier recueil de poésie en 2012, donc sous le titre de Secunda Cabel Tkum. Elle travaille sur son second recueil de poésie à paraître prochainement. Elle a travaillé sur de nombreuses traductions, notamment pour des livres de jeunesse. Elle est très impliquée, notamment dans des organisations non gouvernementales, pour la promotion de la poésie, de la traduction et de la littérature. Nous avons également aujourd'hui le bonheur d'accueillir donc Lamy Saïdi, poétesse algérienne, également traductrice, qui a publié son premier recueil de poésie en 2007, J'ai oublié ma valise. Elle en a publié d'autres juste après, donc notamment en 2011 au cinéma, un autre recueil de poésie en 2017 avec Comme une ville rasée, puis un autre qui s'intitule Un nain qui avance à petits pas à l'intérieur de la légende en 2019. Elle a travaillé sur de nombreuses traductions, dont celle de Anna Grecki, juste au-dessus du silence. Elle travaille actuellement sur les ouvrages à paraître et nous aurons le plaisir de le découvrir dans quelques instants, notamment à travers cet échange qu'elle aura avec Claudia Gossi. J'ai choisi deux poèmes. Ce sont en maltais, naturellement. Et une traite le concept de l'amour, l'amour qui est insaisissable. Insaisissable. Oui, comme ça. Et l'autre, en fait, nous avons parlé du confinement. Et je vais lire la poème qu'on a choisi pour cette anthologie qui a eu l'inspiration du confinement. Alors, la première s'appelle Maltemp. Min fuq it-taraġġ il-maltemp jinġema' fuq linja li taqgħet lill-ħuġbejk ma' nasek. Passeġġata ħelwa sa xfari mniħrek, irdum xoftejk. Iż-ziffa imqanqla bejnietna tofroq li dari fi tnejn. Issir xewka tniggess meta ħafif ħafif tpoġġi idek fil-ħofra. Mistennik titkellem, id-bissima tas-soltu, inħoss il-bini jiżeglek terremot ġentili. Isħaba tgħaddi f'nifs u minix ċerta kemm ili hawn. Et l'autre s'appelle Assatat. Ir-riħa tat-toqlija bit-ton u l-ispinaċi, ir-rax tal-melħ u l-bżar, torri żgħir imqanqal, ġoborża qed tittappan, bil-kliem sħun li kiber metru anki tnejn bejnietna fil-kċina. It-tanieqa li ma stajtx intik infirxet fis-sema mal-aħħar dawl u donnu l-lejla ma jridx jidla. Lura d-dar nisma' l-Daniele fuq ir-radju, id-dieqa ħamra tiegħu tniggess fuq il-ponta tal-sini. Ma nixtiequx jiswiet is-sema. Ġejjin id-dar miegħi xefaq oranġo flok xarek, eliqi nidja flok għajnejk, u l-vuċi nażali ftit ħarxa għal dejjem malinkonika. Settus. Il y a des passages que je pouvais parfaitement comprendre. La question que je me pose, c'est ces mots que nous reconnaissons. Donc, j'en ai noté quelques-uns. Nestenik, tetkellem. C'est j'attends la parole. Oui, c'est la même chose. C'est la même chose. Impressionnant. Le maltais, c'est 60% du maltais, c'est de l'arabe, pratiquement. Enfin, une grande partie de l'arabe sur la langue maltaise. Donc, c'est des emprunts, en fait. Des emprunts, et c'est très beau. Oui. C'est une sonorité qu'on reconnaît bien. Il y a c'est encore un autre lien qui nous lie
Tout à fait. Il y a un grand lien, non, non, la langue est un grand, un grand lien. Ah oui, sans doute. Alors, on pourrait peut-être enchaîner, écouter avec la Miss quelques vers. Oui, je pense que je vais lire un poème de mon recueil « Kapazamina Tapadamubot Indashur Ostora ». في السطح المقابل أريكة خضراء لملك فقد عرشه منذ زمن بعيد تدير ظهرها للبحر وللمدينة التي تتآكل لا يجلس عليها أحد تحيط بها أطباق دش ملتصقة بالحواف فبيادق تتردد طويلا قبل الانتحار وأمامها رقعة واسعة من البلاط الأحمر الشاحب ومدخنة عمياء وعلى يمينها روف زجاجي فاخر يذكرها بأمجاد قديمة لا أحد يذكر كيف صعدت إلى هناك فسلالم البناية كالعادة ضيقة والمصعد الخشبي لا يتسع سوى لشخصين نحيلين لكنها بلا شك كعروش تلك المدينة تقذفها الملائكة أو الطائرات أو حتى مؤخرات الحمام ثم تعجز دائما عن النزول. Merci pour ce moment de poésie. Vous passez la parole pour un mot de la fin. Peut-être pourriez-vous nous dire quelque chose qui vous inspirerait sur la vie de demain, une projection, un rêve, un projet. Mon rêve, c'est de publier mes livres. Enfin, je lis les poèmes qui feront partie du deuxième recueil. Parce que mais j'ai envie de tenir dans la main un autre livre maintenant, parce que ça, c'est ancien maintenant. Ça, c'est mon premier recueil. Oui, c'est ça mon rêve, d'écrire de plus en plus et de découvrir aussi d'autres manières de m'exprimer. Parce que récemment, je n'ai pas mentionné ça, mais j'ai découvert que peut-être je vais adopter ce style, en fait, dans mon prose, mon projet de prose sur la mémoire de ma famille. Et ça, c'est d'adopter un style hybride. C'est assez commun maintenant dans la littérature contemporaine. Un peu de poésie, un peu de récit, un peu de prose. Et ça, j'ai senti de l'affinité avec ce style-là. J'ai lu beaucoup aussi de livres avec ce style, qui ont exploré ce style. Et ça va être encore une autre aventure pour moi. Donc ça, c'est mon rêve et ça, c'est mon projet. Dès aujourd'hui, je vais commencer dès aujourd'hui parce que vous m'avez inspiré beaucoup aujourd'hui. C'est super, c'est ça. C'est magnifique. Et j'espère que tout ça, toute cette crise va finir tôt, parce que ça, on a marre maintenant. on est tous fatigués. Il faut recommencer à vivre avec liberté, liberté de mouvement, surtout pour moi qui vis dans une île. Donc, c'est le confinement dans le confinement. On va espérer très fort que les frontières réouvrent pour vous recevoir à Alger. Ça serait vraiment super. Ça serait Et là, on pourra se toucher les mains, se regarder, ça sera tellement plus agréable. Oui, bien sûr. On t'aura le contact, bien sûr. Et j'espère. On va être ensemble, c'est important. Oui, un autre rêve, c'est aussi d'avoir la possibilité de t'inviter chez nous pour le festival. Peut-être pas cette année, parce que cette année, c'est encore une question. Nous ne savons pas encore comment va être la situation, mais l'année prochaine,
J'espère On l'espère tous. t'avoir ici avec nous. J'espère, j'espère. Ça serait vraiment Très bien. bien. Ça serait vraiment super. Oui, c'est oui. Bon, je suis contente que cette rencontre t'ait inspiré, Claudia. Donc, je suis, ça, c'est quelque chose de bien, de super. Donc, et je te souhaite beaucoup de courage dans tes futurs projets politiques, enfin, des projets d'écriture. Et j'ai hâte de te lire, parce que j'ai quand même le plaisir de lire les quelques poèmes que tu as envoyés, les quelques poèmes traduits. Moi, en ce qui me concerne, je rêve que tout cela soit terminé le plus tôt possible. Bon, je ne me fais pas trop d'illusions. Je sais que ça va être quand même assez difficile dans les mois à venir, mais quand même, on espère voir le bout du tunnel quand même bientôt. Parce que bon, c'est une souffrance humaine partagée par tout le monde. Donc, j'espère que, bon, comme a dit Claudia, qu'on va reprendre une vie normale et surtout notre liberté. Même si je crois que maintenant, on va vraiment vers une nouvelle vie et qu'il faut l'accepter de toute manière. Et voilà, et je continue moi à travailler sur mes projets, notamment mes projets de traduction. J'espère faire sortir des livres de traduction bientôt, des anthologies de traduction et puis des livres aussi dédiés à des écrivains algériens sur lesquels je travaille, histoire de faire redécouvrir aussi une partie de l'histoire de la littérature algérienne, une histoire pas très connue par le grand public. Donc je continue à travailler sur ces projets. J'espère qui pourront être édités, publiés. Aujourd'hui, ce n'est pas évident avec ce qui se passe dans le monde d'édition, avec aussi ces crises financières. Et voilà, mais j'espère que tout ça verra le jour très bientôt. Merci à tous de nous avoir suivis dans ce débat qui a été très inspirant. Merci à Claudia Gossi. Et merci à Lamy Saïdi qui ont pris de leur temps pour nous faire découvrir leurs univers, leurs poésies. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à les écouter. Et je vous donne rendez-vous pour un autre débat très bientôt.